Ce cantique dédié à la Vierge Marie que la chorale Notre-Dame de l'Assomption a planté le décor pour la célébration d'un triple événement, à savoir la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et la célébration des 40 ans de la chorale qui porte le même nom, c'est-à-dire la chorale Notre-Dame de l'Assomption. Jubilé qui s'étendra jusqu'au 25 août 2024. Cette messe a été placée sous la houlette de l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Mgr Abel Liloala, le jeudi 15 août 2024. L'Assomption marque la montée au ciel du corps et de l'âme de Marie, Mère de Jésus. Ce dogme a été proclamé par le pape Pie XII, en 1954. Il y a 74 ans de cela, c'était précisément le 15 août 1954, que le Saint-Père Pie XII prononça ex cathedra le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie. Il l'a fait dans le livre, après avoir consulté, après avoir écouté les collégiens historiques, les experts, les prêtres, la religion religieuse, laïque. Le pape a prononcé ex cathedra en vertu de l'autorité papale, du pouvoir de l'Église. Tout ce que vous liez les yeux sur terre, c'est la vie au ciel. Il a proclamé ce temps, donc venir quoi? Vérité, non pas une vérité scientifique, une vérité biologique, mathématique, une vérité de foi. Oui, il m'a dit qu'il est au ciel. Et son élévation nous fait penser aussi à notre propre élévation. Et si nous nous engageons à servir le Seigneur, et l'esprit pur, vrai, si nous le faisons en esprit et en vérité, nous tous pouvons avoir l'occasion d'être réconciliés. Après ce bref aperçu sur l'origine de l'Assomption, la célébration eucharistique s'est poursuite avec la prière du Confiteor ainsi que le Gloria. Thank you.
Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire a martelé sur la place qu'occupe la Vierge Marie dans notre vie. Je suis très heureux de célébrer avec vous votre fête patronale en ce jour particulièrement significatif où nous faisons mémoire de notre mère, la Reine du Ciel, la très sainte Vierge Marie, la Reine du Ciel. Amen. C'est elle que nous contemplons aujourd'hui dans toute la splendeur de la gloire qui lui vient de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours elle que nous saluons comme un membre surévenant et absolument unique de l'Église, modèle et exemple admirable pour celle-ci dans la foi et dans la charité. L'Assomption de la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie, nous donne l'espérance de notre propre résurrection. La gloire de la Vierge Marie est avant tout celle de son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, c'est dans le Christ que tous reçoivent la vie, nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Marie, notre mère, est la première pour les sauver, en considération des mérites de la passion, de la mort et de la résurrection de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle entre la première dans le royaume des cieux. C'est elle, Marie, que nous regardons aujourd'hui. Elle, l'humble servante de Nazareth, qui n'a eu de mérite que de dire oui, oui, et oui inconditionnel à son Seigneur, en disant, voici la servante du Seigneur, que tu m'adviennes selon sa parole. La bénédiction. Amen. Marie dit oui. Ce oui a ouvert pour l'humanité les portes du salut éternel. Ce oui a ouvert pour le Verbe éternel du Père les portes de l'humanité égarée. Ce oui a ouvert le chemin de la vie véritable perdu à cause de la désobéissance d'un homme. La doctrine de l'Église nous enseigne que Marie est l'œuvre nouvelle. Elle est la première des vivants parce qu'elle est royante. Elle est la première des vivants parce que fidèle au Seigneur. Elle est la première des vivants parce qu'elle est prête à porter la bonne nouvelle du salut de l'humanité tout entière. Frères et sœurs bien-aimés, en effet, nous dit l'évangéliste, Marie s'est mise en route. Elle a accueilli une grande nouvelle. On pourrait dire, humainement, un grand privilège. Cependant, on est frappé par son humilité, sa simplicité et sa disponibilité à aller vers l'autre. Elle se met en route. Au-delà du simple mouvement d'un point vers un autre, il s'agit d'un véritable élan intérieur. En réalité, Marie sort d'elle-même pour aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de sa sœur, à la rencontre de sa cousine. Elle tient à partager sa joie et à communiquer le bonheur qu'elle a reçu gratuitement. Elle se met en route en quittant son propre confort pour se mettre au service. Savoir se mettre en route, savoir s'élever, savoir aller vers l'autre qui est dans le besoin, qui a besoin de toi. Savoir aller vers l'autre pour lui partager quelque chose de grand, de bien, de bon, de
beau. Saint Luc le dit qu'elle resta avec Élisabeth environ 3 mois. Elle resta avec sa cousine Sarah. Elle resta avec sa cousine pour partager cette joie inexprimable. Marie se met en route. Se mettre en route, c'est accepter de s'abandonner à la providence. Se mettre en route, c'est consentir à accepter l'inattendu de Dieu. Se mettre en route, c'est briser les barrières de l'égoïsme pour s'ouvrir à la charité. Se mettre en route, c'est renoncer à l'ego pour faire place à l'autre. Se mettre en route, c'est renoncer à soi-même, à ses propres désirs, à ses propres projets, pour se mettre résolument au service du dessein de Dieu. Se mettre en route, c'est accepter d'être totalement au service. Se mettre en route, c'est l'attitude de tout disciple qui ne s'installe pas, mais qui, docile au souffle de l'Esprit, se laisse guider et conduire. Savoir se mettre en route, savoir s'élever pour aller à la recherche du travail et ne pas attendre que tout tombe du ciel. Savoir se mettre en route, savoir s'élever, c'est savoir entrer, c'est aussi entrer par la porte étroite, celle du sacrifice, celle de l'abnégation. Savoir se mettre en route pour aller dans une église, pour aller dans une grotte, pour aller à l'hôpital, pour aller à la veillée, pour aller consoler ceux qui sont dans le besoin. Savoir se mettre en route pour être témoin de l'Évangile. Savoir se mettre en route pour témoigner de sa foi et ainsi aider tous ceux qui sont en crise, en perte de vitesse, tous ceux qui sont complètement déboussolés à reprendre le bon chemin. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. La force de l'amour et le désir du service qui porte Marie sont source de joie et de paix. En se mettant en route, Marie nous donne le modèle du renoncement par excellence, par son fiat. Fiat voluntas tua. Elle nous enseigne l'obéissance sans réserve à la sainte volonté de Dieu, la bénédiction. Amen. Par sa présence, elle communique le don de l'Esprit. Élisabeth fut rempli d'Esprit Saint, nous dit l'évangéliste Luc. Marie a conscience de porter en elle le trésor inestimable qu'est le Verbe de Dieu. En toute humilité, elle communique la vie qu'elle porte en elle. Elle est le premier tabernacle de la nouvelle alliance. Elle est le premier tabernacle de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est le premier tabernacle de l'enfant de Dieu. Chaque fois que nous passons devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, nous nous mettons à genoux. On pourrait aussi se mettre à genoux devant Marie, parce qu'elle portait en elle le Fils de Dieu. L'adorable, l'infini, connu et inconnu. C'est elle qui porte le corps du Christ vivant et vivifiant. Chaque pas de Marie nous fait entendre combien Dieu aime notre humanité. Sa présence est enveloppée par celle de son Fils qu'elle porte. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Les paroles de Marie sont porteuses de grâce.
Sa salutation communique la joie de sa présence, laisse jaillir l'esprit. Mes bien-aimés, frères et sœurs, le témoignage de Marie dans l'Évangile est une invitation pour chacun et chacune d'entre nous. C'est un appel à nous mettre en route. Mets-toi debout. Zaba, Téléma, mets-toi debout. Ceux qui se mettent debout arrivent. Ceux qui se mettent en marche trouvent. Un appel à sortir de notre propre égoïsme, de notre ego, comme nous l'avons dit. Un appel à mettre nos aspirations personnelles au service du dessein de Dieu. Se mettre en route exige pour chacun et chacune d'entre nous une forme de conversion et de renoncement permanent. Après ce fructueux enseignement de l'ordinaire du lieu, le temps était arrivé de confier entre les mains du Seigneur nos intentions personnelles et le travail de notre labeur. Hey!
du corps et du sang du Christ, le temps était donné pour une action de grâce envers notre Seigneur, lui le maître de toutes circonstances. De la célébration eucharistique, deux membres de la chorale Notre-Dame de l'Assomption se sont prêtés
un autre micro pour exprimer leur joie. Je suis Valdir Maïma, choriste à la voix ténor. Je suis également instrumentiste, bassiste. Mais les impressions ne peuvent être que bonnes parce que 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 semaines, c'est quand même 40 ans. Donc nous sommes très très heureux de ce jubilé et nous espérons que notre sacerdoce dans le champ va vraiment se perpétuer et que nous ferons des exploits avec le Seigneur. Maintenant, quant à la messe d'aujourd'hui, c'était une très très belle prestation. On a eu cet honneur d'être assisté par notre père évêque, Monseigneur Abel, qui a bien voulu réaliser cette cérémonie avec nous à l'occasion de notre anniversaire. Voilà, nous sommes très très contents, nous sommes très honorés. Nous demandons juste au Seigneur qu'il nous donne encore plus d'avantage cette volonté de venir faire le sacerdoce dans notre champ, de venir tout le temps le prier, car il est toujours dit que bien chanter, c'est prier deux fois. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire, sinon que c'est juste un sentiment de joie que j'ai pour ce jubilé qui commence aujourd'hui, qui va s'étendre jusqu'à au 25 de ce mois. Mon numéro, Madame Dembali, qui est membre à chorale Notre-Dame de l'Assomption, qui est une mine qui est la mounou, Maïna, qui a fêté le 40e anniversaire avec la chorale, et la messe à Boubiaï, qui est en tout cas qui est la mounou, la messe qui est la mounou, qui est la mounou, et que. Il y a étape à la fin de la Chine, il y a étape à la fin de la Chine, il y a étape à la fin de la Chine. Donc, maman Marie, accompagnée de la concert à Bétrissa la dimanche, elle va dans la Bétou, dans mon année. Je vais passer la bâtisse.